Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Alléluia! Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia! Cher peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de vous annoncer que bientôt, c'est la reprise officielle des cultes à l'église La Moisson de France. Alors, c'est ce dimanche 14 juin à 10h. Ce dimanche 14 juin à 10h, c'est la reprise officielle des cultes ici, à l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. Plusieurs croient que nous sommes à Paris. Non, nous sommes dans le nord. Nous sommes à Lille, précisément à Tourcoing. L'adresse du lieu du culte, c'est 48 rue Saint-Omer, 59200. Si vous êtes en voiture, il suffit de mettre l'adresse, vous allez nous trouver ici le dimanche à 10h. Désormais, c'est tous les dimanches à 10h. Les cultes reprennent ce dimanche 14 juin. Mon frère, ma soeur, sois dans la joie, sois heureux, parce que nous allons enfin nous retrouver pour louer, pour adorer, pour prier, pour suivre les enseignements, voilà, en direct ici, être sur le lieu pour pouvoir ensemble adorer le Seigneur. Nous sommes l'assemblée du Seigneur, nous devons nous retrouver pour pouvoir prier. Mais attention, le virus qui a fait qu'on avait arrêté les cultes, qui avait fait qu'on était rentré en confinement, il n'est pas parti. Donc, chacun doit venir avec son masque. Voilà. Vous devez venir avec votre masque dans la salle. C'est exigé que tout rassemblement, voilà, qu'il y ait, que chacun soit, voilà, masqué. Voilà. Donc, venez avec vos masques. L'Église est en train de prendre des dispositions, comme dans toutes les salles de rassemblement. Nous allons mettre... voilà, le gel hydroalcoolique, dès que vous rentrez, vous allez passer cela dans la main et vous nettoyez les mains avec, vous venez avec votre masque et puis on est en train de séparer les chaises selon les consignes qui ont été données. La salle a été, voilà, nettoyée, désinfectée, il y a une entreprise qui s'est occupée de cela. Ça avait été recommandé aussi par la mairie et la préfecture. On a fait tout ce qu'il faut faire, c'est pour cela que c'est maintenant qu'on reprend les cultes parce qu'il fallait faire tout ça. Donc dimanche 14 juin, à 10h, reprise officielle des cultes, tous à la maison du Seigneur. Vous tous qui suivez les vidéos de Mme Seka et du révérend Roger Seka, vous qui êtes dans toute la France, vous qui êtes dans le nord de la France, vous qui êtes dans la métropole européenne de Lille, je m'adresse à vous. Dans ce temps de confinement, vous avez pris des résolutions pour dire « Seigneur, il faut que tu me protèges, il faut que tu protèges ma famille. Délivre-nous, ne permets pas qu'on soit malade ou bien on est malade, Seigneur, guéris-nous. » Quand tout va s'arranger, on va se donner à toi, on va aller t'adorer, on va aller dans ta maison, on va devenir chrétien, on va te servir avec les autres chrétiens. Vous avez fait ces promesses-là à Dieu maintenant. Le temps est arrivé. Vous êtes dans cette zone, vous pouvez bien venir à l'église, vous pouvez bien venir suivre les enseignements pour grandir dans la foi. Vous pouvez bien venir vous ajouter à nous pour qu'on puisse sauver aussi les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu as fait des promesses à Dieu, tu as fait des vœux à Dieu pour dire « Seigneur, sauve-moi, protège ma famille, protège-nous, guéris-nous pour ceux qui étaient malades. Après ça, on va se donner à toi. Maintenant, voici l'occasion. » On dit que les cultes reprennent ce dimanche 14 juin à 10h. Normalement, cette salle doit être remplie. La salle du culte doit être remplie. On va séparer les chaises, c'est vrai. Mais le peuple, vous devez venir. Les promesses que tu as faites à Dieu pendant ce temps de crise sanitaire où il y avait la peur, l'angoisse, et tu t'es donné au Seigneur, ou alors ta vie spirituelle a augmenté de niveau. Ne change pas de rythme. Venez, on va adorer le Seigneur. Venez, on va louer le Seigneur. Venez, on va écouter les enseignements. Et on va aller chercher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut qu'on soit nourri et qu'on aille aussi sauver les autres. Donc, tous dans la présence du Seigneur, on commence le dimanche 14 juin à 10h. Maintenant, pour ceux qui avaient l'habitude de suivre les cultes en direct avec nous, quand nous allons reprendre les cultes, nous ne ferons pas les directs automatiquement. Voilà, on va d'abord faire les cultes avec le peuple qui vient. Donc, ceux qui sont loin et qui faisaient les cultes avec nous, qui ont pris l'habitude de faire les cultes avec nous, on fera vos cultes désormais tous les samedis à 18h. Il y a des cultes qu'on peut faire samedi. Donc, vous, votre culte, vous qui nous suivez en ligne, vos cultes, ce sera samedi à 18h.
18h de France, si vous êtes en Europe, si vous êtes en dehors de l'Europe, il faut voir quelle heure ça fera chez vous pour que vous puissiez suivre le culte avec nous tous les samedis à 18h. Sauf quand on fera les croisades, qu'on ne fera pas les samedis à 18h. Sinon, désormais, vos cultes, c'est samedi à 18h. Et les cultes qu'on va faire aussi en salle, on va après faire un résumé et mettre en ligne pour que vous puissiez aussi voir. Mais sinon, on va faire vos cultes tous les samedis à 18h. Toujours sur la page Facebook Réseau International Richesse. Vous qui n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Concernant les croisades et les retraites spirituelles, nous n'avons pas encore les dates. Pour l'instant, on reprend les cultes. Et après, on va s'organiser, on va vous annoncer les dates de reprise des croisades et des retraites spirituelles. Voilà. Donc, tous dans la maison du Seigneur, le dimanche 14 juin à 10h. Abonnez-vous donc à notre page Facebook Réseau International Richesse. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV. Mais le direct, pour l'instant, c'est sur Facebook. Partagez la vidéo.